boutique de Fortnite Battle Royale. Juste, on va attendre boutique. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite. C'est les world records de cartons empilés. On a fait 10 cartons empilés. Voilà. C'est vraiment des cartons empilés et pas des joueurs qui sont montés dessus mutuellement. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir et à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Cette vidéo dure 10 minutes, donc je pense que avec ce confinement, vous les avez les 10 minutes pour m'accorder juste cette vidéo. Et il y a aussi voilà. Donc on va aller faire une petite Pleasant Park. C'est parti. On va sauter bientôt. Maintenant. C'est parti. Bon, on va essayer de faire une game qui... On va dire assez bien quand même. Voilà. Parce qu'il faut qu'elle dure au moins 13 minutes. Au pire, quoi qu'il arrive, on en relancera une. Voilà. Maintenant, il ne reste plus que 10 minutes avant la boutique d'objets. Voilà, n'hésitez pas à partager ma chaîne à vos potes si vous venez de me découvrir. Si ce n'est pas déjà fait. Voilà, voilà. Donc, les gars, quand vous allez à Pleasant, n'hésitez pas à voilà, aller ici exactement. Car au moins, si vous spawnez là. Oh, je l'ai vu, les gars, le lama. Je l'ai vu, je l'ai vu. On va le prendre. On va le prendre, j'espère qu'il n'y aura. On va directement prendre ce pad, se barrer à une maison pour être assez safe. Allez, là c'est une maison, il y en a d'avoir personne. Voilà, hop. Je pense qu'on va voir tout de suite cette grosse spot car il y a quelqu'un juste à côté de notre maison et qui se faille. Donc voilà. Au moins, comme je vous disais, si vous spawnez à cette maison, à la maison architecte, vous aurez directement le sniper, le barrette quoi. Donc, je vous avoue qu'avoir un barrette dès le début de la game, ça met en confiance. Une deuxième grosse spot, c'est super ça. Voilà les gars, en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous avez du temps à me consacrer. Voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui va regarder des vidéos jusqu'à la fin comme ça. Des gens qui préfèrent regarder d'autres youtubeurs. Hein. Après je respecte vraiment ce choix. Vu que moi je suis encore un petit youtubeur qui n'aura pas beaucoup de vues, on va dire. Cas, merci pour la dernière vidéo, ma toute première vidéo sur la chaîne. Parce qu'avant je faisais que des lives, des diffusions, tout ça. Donc, en tout cas, merci, elle a fait 30 vues bientôt. Donc voilà. Donc, où est-ce qu'ils sont les potes? Il y en a un qui n'a pas loot. Vous croyez qu'il y avait quelqu'un ici? Ça n'a pas vraiment l'air. Oh, on va dépasser le level 142. Ouais, c'est de se protéger quand même, les gars, faut pas abuser non plus. Donc la boutique est dans 8 minutes maintenant à l'heure que je vous parle. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue non plus. Faut pas qu'elle soit super longue.
Il y a un mec qui arrive. C'est la mort pour le d'en face, c'est super. Ok, c'est nickel. Je vais essayer d'avoir un assez bon stuff quand même. Enfin, un stuff à plein, on va dire. On va prendre ce petit kit de soins. Car on ne sait jamais. Voilà, voilà. De toute façon les gars, direct à 2 h, que je sois en top 1, top 2, voilà quoi, je vais quitter je pense. Je vais me suicider parce que bah on va pas vous laisser attendre trop longtemps non plus. Je suis assez bien en construction, ça va. Ouais, je suis assez bien en construction. Je ne suis pas à plaindre en tout cas. Il y a un mec qui me tire dessus. Donc, d'où je ne sais pas. Il essaie de garder un œil sur les personnes qui pourraient éventuellement me tirer dessus. Et les personnes, où sont-elles? Ok, je l'ai vu. Donc on va essayer de les tuer, ceux qui sont sur notre route. Après s'ils mourront. C'est à peu près normal. C'était un bot, c'est sûr. Il nous a ramené 3 kits. Bon, maintenant il faut que j'aille chercher le mec qui avait un barret. Voilà. Parce qu'il y a bien quelqu'un qui avait un barret. Ou en tout cas, il n'a pas tué, ça se trouve, le bot. Non, ils l'ont pas tué. C'est vraiment très débile de leur part. De ne pas avoir tué ce petit coquinou avec son petit barret. Voilà. Pour ça, les gars, moi, mon spawn, c'est le barret maintenant. C'est directement à l'architecte comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, ouais. Voilà, on le tue. On lui donne son barret. Plus que 4 petites minutes. Tu vas nous donner ce qu'il y a dans ce petit coffre. Toi, tu dégages. Oh. Il y a encore des mecs.
beaucoup de vie, lui. Hein. Ouais, il a vraiment beaucoup d'HP. Si je peux vous offrir un petit top 1, ouais, ça vous ferait l'affaire. Bon, cette vidéo, donc voilà. Donc voilà, les gars, moi je trouve que j'ai un assez bon stuff. Je peux faire éventuellement top 1 avec ce stuff. J'aurais peut-être dû l'améliorer, le pompe, mais c'est pas vraiment très grave en vrai. Le barrette légendaire qui fait assez plaisir. La petite AK légendaire qui met beaucoup de dégâts, je crois. Ouais. Qui met 41 en vrai. Donc c'est beaucoup. Si on multiplie ça par 2, ça pourrait éventuellement nous faire un 82 dans la tête. Ça pourrait piquer, je pense, quand même. Les petits adversaires seraient morts de trouille. Hein. Enfin bon. Je ne pense pas qu'il y ait des adversaires qui aient peur un peu d'une AK légendaire. Attention les gars, attention, moi je veux juste du fight hein, les gars. Car bah, là il est 2h donc il y a la boutique. Si je me prends une barrette, une balle de barrette dans la tête ou dans le corps, ça, bah, ce sera de ma faute, on va dire. Ok, il y a un mec là-bas. J'ai vu un arme se détruire et je ne suis pas bête. Donc je pense qu'il y a vraiment un mec. Et oui, je crois l'avoir vu. Faites attention car il peut être dans un bush. Je crois que c'est lui qui est là. Nickel. Je pense que c'était une assez belle balle de snipe, même s'il ne bougeait pas vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était très bien looté. Hein. Vraiment très bien. Il était très très bien. Je pense que il était assez fort. Il y aurait éventuellement un gars. Pas il avait quand même. Un petit top 8. Quatre pads il avait quand même. Ce gars était vraiment un des mieux looters, quoi. Parce qu'il était vraiment très bien loot à part sa petite rafale de merde qu'il avait, mais c'est pas vraiment de sa faute.
Moi, je sais qu'il n'y a un barrette dans les paroles. Est-ce une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Je pense que c'est. Je peux prendre ça comme une mauvaise. Car moi aussi j'ai un barrette, du coup c'est. Ouf. Pas à mauvais, donc je préférais me barrer, on va dire. Parce que lui, il me mettrait éventuellement des bâtons dans les roues, plus qu'autre chose. Non, laisse-moi tranquille, mec. Il ne voudra pas me laisser tranquille, hein. Ah, la barre, toi, c'est très bien. Hop.
c'est très passionnant. Désolé les gars si je parle plus, mais bon, c'est quand même le top 1 qui est en jeu là. Ça va être une vidéo très longue, je le sens. Top 2. C'est pas si grave que ça les gars, au moins je vous aurais proposé une bonne game. Je vais direct vous montrer une petite... Ah c'est dommage, vraiment dommage, c'est pas grave. Au moins j'aurais fait un petit top 2 pour la vidéo. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue, gros. Ça va être très très chiant aussi, non? Parce que une vidéo quasi, ça doit être pas long normalement, enfin bon. Voilà, je vais vous montrer la boutique du 20... non, du 12 avril les potes. Donc voilà. Ça se trouve, je vais pas la mettre en fait la game. Je verrai bien. Allez, s'il vous plaît, faites vite quand même. Pour ton ensemble, parce que ça va être une vidéo vraiment, vraiment très longue. Nouveau skin disponible. Ah. Les skin packs sont restés. Oh, celle-là, je vais la voir. Oh, je la veux tellement celle-là. Oh, j'aimerais tellement la voir. Non, je suis dégoûtée. Enfin bon. Pas grave, j'aurais bien voulu l'avoir, mais bon. Allez, donc, le piou piou. C'est le plus un piou, le plus un piou. Pardon. Il y a combien de styles en vert en... Ok, c'est la même partout. Sauf que, bah, c'est juste le... Ok. Donc, un nouveau choco lapin qui est disponible. Et le skin là qui était déjà là. Atsuki, voilà. Qui était déjà là avant. Et le patrouilleur polaire mercenaire chocolaté. Rachid piétinante. La pioche poisson congelé. Et donc, je vous dis pour un prochain live ou une prochaine vidéo.